Eh bien, salutations à toutes et à tous, c'est Doc, et on se retrouve de nouveau sur Hogwarts Legacy. Comme vous pouvez le voir, comme je vous l'avais dit au dernier épisode, je prendrai un petit peu de temps pour un petit peu explorer, améliorer un peu mon personnage hors caméra, faire quelques quêtes secondaires. Et donc, c'est pour ça que vous pouvez le voir avec ce magnifique uniforme antique de ma maison, donc de chez Pouf Souffle. Vous pouvez aussi voir que j'ai 4 barres de magie ancienne et que je suis un peu plus haut level. Donc je suis level 31 et j'ai un peu de galion en stock. Et j'ai aussi refait le plein de potions et de plantes en tout genre. Donc aujourd'hui on se retrouve parce qu'on va poursuivre la quête principale. Évidemment ensemble. Et on doit aller voir Sirona. Aux 3 balais. Bonjour. Ravi de vous. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rookwood et Harlow le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona, et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Vous aviez l'air de bien vous entendre. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années, lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui, à propos de Ranrock. Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rookwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Allez. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Je vous en prie. Allez, on va donc... tête de sanglier. Bonjour, content de te voir en dehors du château. C'est réciproque, Amit. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux 3 balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance... Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Des gobelins, volés il y a fort longtemps par une sorcière, reposeraient aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous, que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Confiance mutuelle. Allez, on va retrouver Lodgok. J'ai du mal à prononcer le nom.
est déjà là. Je suis prête. Bien. Ne perdons pas plus de temps. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver ? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtcott. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Intéressant. C'est quand même beau à Poudlard. Mais oui, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques épreuves de Merlin aussi. Je les ai pas faites toutes parce que ça devient redondant à force. Comme pour la magie ancienne d'ailleurs. Là, on peut courir. Je suppose que je vais devoir affronter des Néféries, hein. Pas des Néféries, des Inféries. Et la voici, la tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Tout est clair maintenant que nous sommes là. J'espère que notre alliance portera ses fruits. Encore une fois, je vous souhaite bonne chance. Allons-y. Je vais rester ici à attendre votre... Allez, on y va. C'est pas ça qui va me faire peur, hein. Revelio. Et bon, étant donné que ça s'allume à mon passage, ça se voit que c'est verrouillé. C'est ancien. Des papillons ? Étrange. Ok. Par la barbe de Merlin ? Ah, un coffre. Oh, intéressant. On va aller par là. Ça ne peut pas être le tombeau de la sorcière. Je dois sûrement aller plus loin. Corps de papillon. Je suppose que les derniers papillons doivent être derrière la porte là. Confine-vous. Il va falloir épulso. Ok. Revelio. Ça c'est toujours pratique parce que ça me permet de faire des potions Wingerwell. Alors. J'ai l'impression que je ne suis pas seule ici. Ça pue le désinféri, en effet. C'est pas si compliqué que ça. Revelio.
l'air qu'on peut monter là-haut. Oui. Toujours tout ramasser, évidemment. Hein. Rébellion. Intéressant. Lumos. Je comprends maintenant pourquoi on avait besoin de répulsion. Lumos. Ah ben, si, j'aimerais bien que tu viennes, papillon. Voilà. Lumos. Le dernier papillon. Vraiment bien cet uniforme parce que à chaque fois que j'utilise des sorts, ça les affiche. Ah, mais par là, il y a quelque chose. Ah. Ah, je crois savoir ce que je devais devoir faire. Attirer cette plateforme vers moi. Mais comment faire? Voilà. Revelio. Tout bénef. Easy. Qu'est-ce qui pend? Ça n'a pas l'air de bien tenir. Je vais descendre. Je n'ai pas le choix. Est-ce qu'on descend ou est-ce qu'il y a autre chose à faire? Là, il y a l'air qu'il y a quelque chose. Là, il y a l'air qu'on puisse monter. Ah, on devra aller dresser sur le monde. Ça par contre c'est pratique, utiliser Axio permet d'utiliser aussi Wingardium Leviosa. Bon bah on va devoir descendre. Déjà pas cet endroit. Je suis sur le long lancé. De choses à récupérer ici. Ouais. Alors, Jesus. Lumos. Pourquoi est-ce que je ne le sens pas du tout ça? Lumos.
Archis, donc il va me falloir un pulso. Du coup, il va me falloir aussi du moss, donc je le prends. Attends, parce que par là, il y a un truc. Oui, un truc à récupérer. Ah, je crois que j'ai... Est-ce qu'on peut le mettre là? Non. Lumos. Lumos. Je suppose que lui, il va aussi là. Ah mais attendez, je crois que j'ai compris. Ah mais il y en a un là. Ok. Et je crois qu'on peut le mettre là. Ah bingo. Bien ce que je me disais. Mais par contre je pensais qu'il y en avait plus. Lumos. Lumos. Voilà. On va reprendre ça parce que s'il y aura peut-être des Néphéries. De la sorcière. Notre doc a dit que le home se trouvait dans son sarcophage. Super, il y a l'air d'y avoir des gens qui sont passés par là. Un serpent cendre. Je dois montrer ça à Lockcock. Il doit y avoir une sorte de mécanisme pour cette porte. Revelio. Ah, des pièces d'eau. Pas de calibre. Allez. On sort d'ici. Je n'aime pas les cryptes, mais c'est tout comme. Pas des cryptes. Voilà. Vous m'avez compris. Oui, donc les textures qui chargent, c'est normal. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravi. Lodgok, le sarcophage avait été pillé. Je n'ai pas trouvé de home, mais juste un serpent cendre mort. Mince, ils nous ont devancés. Nous devons empêcher Rockwood de s'en servir pour s'attirer les faveurs de Ranrock. J'ai repéré l'un de leurs camps pas loin, mais il vous faudra y aller sans moi. Je suis trop vieux pour me battre. J'y vais tout de suite. Bien, ne perdons pas plus de temps. Vous devez récupérer ce home avant Rockwood si vous voulez avoir ne serait-ce qu'une chance de négocier avec Ranrock. Allez. Dire que ces fichus voleurs ont fait main basse sur une telle relique. Pas la forêt interdite d'ailleurs ici. Non. Et voilà. Les serpents cendres. Oh my god. Il y a un troll en plus. Alors je vais prendre ça. Expulsion. Expelliarmus.
Voilà, nous sortons ensemble. Que demain. Je n'ai personne avec. Il y a encore du stuff à récupérer en. Ici, peut-être ici. Il y a un gros coffre ici. Voilà. Ah. Ça, c'est pour Rockwood. Réducteur. Rockwood, et ben t'es mort. Tu as commis une grossière. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Je suis trop haut par rapport au sol, donc je perds l'endurance évidemment. Ici j'ai plus qu'avec l'endurance. Il a l'air de faire sombre à l'intérieur. Ça ne va pas m'arrêter. J'ai repris le home au serpent cendre. Bravo! Nul doute que Ranrock sera impressionné. Le home brille encore plus que ce que j'avais imaginé. Ses gravures, ses superbes courbes. Ah, il est remarquable. Il est magnifique, Lodgok. Je comprends pourquoi vous vouliez le récupérer. Vous avez rendu service aux voleurs en le récupérant. Beaucoup de gobelins auraient tué pour l'avoir. Bah, techniquement. Oh, je vous le rends avec plaisir. Merci. Je les ai un peu tués. Ranrock devrait nous accorder sa confiance. Je vais lui apporter. Ça devrait le détourner de ses recherches. Ses recherches ? Ce n'est qu'une intuition. Vous forcez le respect, mon ami. J'ai bien fait de vous faire confiance. Me dis pas tout. Nous discuterons bientôt. Mieux vaut taire notre arrangement pour l'instant. Beaucoup de gens auront du mal à croire que nos objectifs convergent. C'est intéressant. Et c'est sur ce qu'on va se donner rendez-vous pour la prochaine Bonjour. Vidéo. J'aimerais que vous passiez aux trois balais quand vous aurez un moment. J'ai besoin de votre aide. Comme je te l'ai déjà dit, ma sœur Anne n'est pas elle-même ces derniers temps. Poudlard lui manque. Tu avais promis de venir la voir avec moi. Je compte bientôt me rendre à Feldcroft. Je t'y attendrai. C'est juste au sud de Poudlard. Au fait, j'espère que tu t'en sors bien avec le maléfice explosif. C'est l'un de mes préférés. Maintenant que vous avez assisté au cours sur les créatures, j'ai demandé à Chick de vous montrer comment utiliser la salle pour étudier ce sujet. Veuillez le retrouver là-bas quand vous pourrez. Je n'ai aucune nouvelle de mon oncle Roland depuis un certain temps. Je suis morte d'inquiétude. Peux-tu me retrouver dans la cour ? Eh bien, c'est après autant d'informations du hibou qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo se consacrera plutôt sur la ceinture de monde. Parce que ça va nous permettre d'améliorer nos inventaires et galères. Donc, nous nous retrouverons plus tard. Et évidemment, je ferai encore des quêtes secondaires sans vous, évidemment, dans les épisodes. Mais ici, je vais retourner quelques-uns d'affilée. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À plus tard.